Bien, bah, écoutez, on a gagné, c'est un point positif, on a marqué 4 buts. انتصرنا هذا يعني كانت نقطة إيجابية سجلنا غادي الأهداف. Maintenant, si on va au fond des choses, j'ai pas apprécié le match. Parce qu'en première mi-temps, on a eu beaucoup de déchets techniques et on a loupé trop d'occasions. On était 15-1-0 à la mi-temps, on a eu trop d'occasions, on a manqué d'efficacité. صراحة يعني لست مقتنعا بالنتيجة على اعتبار أنه خلال الجولة الأولى سجلنا هدف لكن في المقابل يعني مسير من الفرص كان بإمكان مضاعفة الولد. Après, en deuxième mi-temps, on était plus efficace, même si on aurait pu en marquer plus. وبالتالي كنا أكثر رجعة رغم أنه كان بالإمكان تسجيل أهداف أخرى. Mais après, je trouve qu'on a donné quand même trop d'espace à l'adversaire qui a eu des périodes avec le ballon parce qu'on n'était pas très bien organisé. Donc, je suis un peu déçu du match qu'on a fait. ايضا يعني مستاء نوعا ما بطريقه ديال اللعب في الجوله الثانيه بحكم اننا يعني تركنا بعض المساحات للفريق المنافس. Après, il peut y avoir des circonstances atténuantes. Hein. C'était, bon, je le répète, c'était le 10e match quand même depuis le 12 février. Donc, il y a peut-être un peu de fatigue, il y a peut-être un peu de fatigue mentale. هي المباراة العاشرة منذ يوم 12 من الشهر الماضي، بالتالي فتوالي المباريات والتقارب من الناحية الزمنية كان عندها تأثير سواء على المستوى البدني أو على المستوى الذهني. Après, si on avait été plus efficace, marqué plus de buts, on serait plus tranquille. Maintenant, on a fait quand même l'essentiel. Et puis c'est toujours important de gagner, même si on sait qu'il y a un match retour. Mais je félicite quand même les joueurs de faire le maximum. وهم اللاعبين على المستوى اللي قدموه كان بالامكان حسم النتيجه وتسجيل اهداف اخرى والانتصار يعني بحسها تؤمن بشكل كبير المهمه تحسبا لمباراه الاياب لكن يعني اجمالا حتى انتصار اربعه اهداف هي نتيجه جيده. Après le point positif c'est le public qui est encore une fois derrière nous et qui chante et qui nous encourage. Donc j'espère qu'il sera encore là dimanche, parce que dimanche on a un vrai match et on aura besoin d'eux. Mais pas que j'ai vu le jour, le Hajj d'Aram, l'Aïbi, le Shijan, par le Sadaqa al-Mubara, ou l'Aïbi, le Mouata, le Dien, le Nessa, ou l'Aïbi, le Kouna Khadra, le Bekou, le Kamel Adakhi, le Mubara, le Mubila, le Ahad, le Mubara, le Mizli, le Mubara, le Sponsor. Voilà. Et puis pour terminer, je voudrais dédier cette victoire à Halawi, notre joueur qui avait été prêté à Suarez, qui s'est blessé au genou, qui a été opéré lundi. Donc on est derrière lui, on va s'occuper de lui. Donc je lui fais un petit clin d'œil et on lui offre cette victoire. وبالمناسبة يعني أودي انتصار اليوم إلى اللاعب فريق الجيش الملكي المعارض إلى فريق السوالم الخلوي بحكم أنه خضع لعملية جراحية كان عليه هذا الانتصار ومع المتمنيات ديالنا ليه بالشفاء العاجل. C'est toujours important de gagner un match, même si ce n'est pas les mêmes compétitions. Maintenant, je pense que sur les deux matchs, on ne méritait pas ni de perdre ni de faire match nul. Je pense qu'à futur, le nul aurait été plus logique. À sa fille, on aurait, même si on ne peut pas le match sur l'occasion, mais on méritait quand même sur la deuxième mi-temps de gagner. Mais bon, c'est vrai que ce n'est pas les mêmes compétitions. Et gagner, ça fait toujours du bien à tout le monde et ça permet de récupérer plus vite. Mais je pense que ces trois compétitions différentes, nous on s'inscrit plus sur une dynamique de match et de bons résultats plutôt que de se rassurer, de vouloir se rassurer avec cette victoire. الانتصار هو شيء مهم دائما نسعى اليه، لعبنا ثلاثة ديال المباريات في ثلاثة منافسات مختلفة، كان بالإمكان كنا نستحق نتيجة أفضل في داخل المباراتين السابقتين، سواء على مستوى مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي أمام فريق بيراميدز، على الأقل كنا نستحق العودة بنقطة التعادل، أيضا في المباراة أمام آسفي يعني كنا نستحق يعني نتيجة أفضل، لكن عموما يعني انتصار اليوم انتصار مهم بالنسبة للفريق. Merci pour le compliment. Alors après, l'efficacité, pour moi, c'est un problème de concentration. Quand on tombe dans la facilité, on perd sa concentration, donc on perd son efficacité.
Donc c'est ce que j'aurais demandé à la mi-temps, d'être beaucoup plus concentré et pour gagner en efficacité, parce que les occasions, on les a. Voilà, moi, j'aurais voulu que le score se termine à 5 ou 6, parce qu'on a eu des occasions, et même plus que 6 occasions. على الأقل التركيز خلال الشوط الثاني من أجل استثمار أنصاف الفرص، أتيحت لنا العديد من الفرص، سجلنا فرصة واحدة، كان غير مسموح خلال الجولة الثانية استمرار تضيع المزيد من الفرص، بالتالي فكان التأكيد على العديد من أجل التركيز، بداية يعني تسجيل أهداف اللي تخلي المهمة ديال الفريق قيادية أسهل. On doit s'habituer à marquer vite. Pourquoi? Parce qu'en Botola, on n'a pas 5 ou 6 occasions par match. Là, on les a eus, mais en Botola, on les a pas. Donc, il faut être plus efficace et plus tueur dans la surface de réparation. Il y a des gens qui ont déjà le jour de l'heure, et on a sélat, j'ai l'adapté, et on a fait la menace de Botola, et on a fait la menace de Botola, et on a fait la menace de Botola, et ربما في البطولة الوطنية تتاح محاولات أقل، بالتالي فيجب أن تكون النجاة الهجومية حاضرة واستغلال الفرص لأجل مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية. Vous savez, je fonctionne avec la notion de groupe. La notion de groupe, alors c'est sûr qu'il y a 20 joueurs, mais il n'y a que 11 joueurs qui peuvent être titulaires. Je ne peux pas mettre tout le monde en même temps, donc il y a des choix à faire. يتوقع الحصول على 20 لاعب لكن خلال مباراة كرة القدم بالإمكان فقط الاعتماد على 11 لاعب يعني رغم يكون مستوى فأقصى ما يمكن أن يعتمد عليه المدرب فهو 11 لاعب وهي الأمور تخضع للاختيارات. Il y a des équilibres aussi à trouver parce que le plus important dans une équipe c'est pas l'addition de talents qui compte c'est les équilibres et les complémentarités entre les joueurs. ما يهم أكثر خلال داخل الأندية ليس فقط المستويات الفنية التي يتوفر عليها اللاعبين وإنما أيضا تكامل بين اللاعبين وأن كل اللاعب يكمل على الآخر. Mais le plus important pour moi c'est que quand je suis après le banc ou joueur qui joue peut-être parfois un peu mal, qui est d'abord l'état d'esprit qui soit prochain et qui maintienne quand il joue le niveau de l'équipe au même niveau que les autres. Parce que ce qui fait la différence dans une compétition, c'est que quand on fait rentrer les joueurs, ils sont au même niveau que les autres. ما يهم داخل المسابقات يعني بغض النظر عن التركيبه البشريه وانه خلال الاقدام على اي تغيير سواء داخل المباراه او على مستوى المنافسات فعندما لا تلاحظ ان هناك فرق بين اللاعب الذي تعتمد عليه عاده او اللاعب الذي يتم الدفع به فانذاك ممكن نتحدث عن التكامل وهذه الامور المطلوبه في كره القدم.